Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. On est paré? On est paré. Bon, ouais, salut, salut tout le monde. On va partir tout de suite au Uto, en plein cœur de la baie de Sable. Je me trouve en compagnie de Louis, qui on peut dire est un enfant de la baie, je pense. Enfant de la baie. Je me trompe pas en disant ça, non, je pense. Tu te trompes pas. Tu veux dire que je suis tout petit. Tu fais combien de nuits de Uto à peu près à l'année? À l'année? Moi, je suis pas loin des 100 nuits de Uto. 100 nuits de Uto. Je suis déjà à 43. Putain. Ah, on va se régaler, je pense, on ce va soir. Se régaler. J'espère, en tout cas, j'espère. On a bah, allez, c'est parti, on va. C'est parti. On a de la marche. Quand on sait qu'on va voir du gibier ouais. Même sans le tuer, c'est ouais. Ouais, en fait c'est surtout ça en fait la devise c'est tu vois du piaf ouais. Sans forcément les tirer quoi. Ouais c'est ça en plus ouais. Ouais. J'ai eu une belle pose de cette sarcelle à la fois, je les ai pas tirés parce qu'ils étaient tombés dans ma ligne de gibier. Moi j'ai tiré sur deux qui se sont décalés après. Bah sur 7 j'aurais pas tiré. Parce que je savais très bien que si j'en blessais une, bah elle mourrait dans la rue et je la retrouverais. Ouais. Quand je sais que je vais blesser, je tire pas. Mais bon, on verra bien. Ouais. Ce que la baie nous réserve. On réserve des belles surprises. Belles surprises. Quand on s'y attend plus, elle s'en... Je réserve des belles surprises. Beaucoup d'eau comme ça, c'est pas fait pour les filets. Ah oui? Ici, peut-être sarcelle rouge, peut-être siffleur. Pilier ici on verra pas. Là il y a trop d'eau. Pilier ils aiment bien ces petites flaques comme ça, ouais. Juste pour barboter. Là, pour moi il y a trop d'eau ici, on verra pas de pilier. Si vraiment ils nous en tombaient, c'est à tout seul. Et 3-4 ils nous poseront pas. Ouais, ils fileront tout de suite et rechercher une autre place. Et la place de pilier elle est juste là-bas derrière les herbes. Mais celle-là je sais pas lutter donc du coup j'y vais pas. Celle-là c'est la place d'habitude. On verra bien comment ça va se dérouler. En espérant faire une petite nuit quand même. Bah oui. On l'entendra peut-être pas tout, et pourtant il y a des trucs forts, mais on l'entendra peut-être pas. On aime bien. Et tu vois, elle chante dans mes mains comme ça, et la nuit elle a du mal à chanter. Pourtant, je peux te dire qu'elle chante à la hutte, hein. À la hutte je l'entends, elle chante une nuit complète, mais au Uto elle a du mal. Quand je pense à côté, il se met un truc aussi lui. Comme à peu près toutes les femelles de Wayne, je pense au Uto, ont un peu de mal à râler. Mais dans mes mains, elle râle. Tu vois, c'est une exception de la nature. C'est dingue ça. Thank you.
Normalement, on devrait en voir. On n'aurait pas à se plaindre. On demande une belle petite attache. Miser sur quelques blettes de pilet. Normalement, ça devrait le faire. Pas de raison, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour pas que ça le fasse. C'est vraiment que là, on n'aurait pas de chance. Il y a un peu de gibier qui traîne. Normalement, ça pourrait le faire. Nous voilà partis pour passer une nuit dans un hutto. Vous pouvez voir que c'est tout petit. Mais bon, on n'est pas des gros gaillards. Donc ça, c'est devrait, sûr. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va être quand même bien serré, donc vous voyez, c'est vraiment très, très rustique. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qui fait le charme de cette chasse. Très belle chasse, ça c'est vrai. J'ai déjà fait une nuit au hutto il y a 2 ans. Hein. C'était vraiment magnifique. Donc, normalement, je pense que cette nuit va être très belle aussi. Même si on tue rien, moi j'en vais en garder des bons souvenirs. Je vais essayer de vous faire des belles images quand même. La baie est pleine, comme je te disais tout à l'heure, pleine de surprises, pleine d'oiseaux, elle est pleine de... On peut voir des gibiers qui sont même pas de la baie, on peut voir des sangliers, on peut voir du mouflon, on peut voir du renard. Bon, c'est divers ici, donc ouais. Pourquoi on n'aurait pas de belles choses à filmer, sérieusement. On va pas s'ennuyer, ça c'est sûr. Ah ça c'est sûr. Allez, bon allez, on va pas se traîner, on va se rentrer, ouais. Parce que là, la nuit commence à tomber. Le soleil est couché. C'est ça. Donc on est allongé tout le long sur le ventre. Rien que pour se tourner, c'est une sacrée expédition. Oh, c'est même plus une expédition, c'est un voyage. Hein. Et voilà. À 23h, faut qu'on enneige tout. Faut qu'on sorte vers 23h. Parce qu'à cause de la marée. Ouais. La marée, elle monte en plus, c'est une marée de 92. Donc elle va remonter jusqu'au parking. Du coup, ça serait un peu bête de se tremper pour pas grand chose. Pour pas grand chose. Pourrait bien être un pilier, effectivement. Il a arrêté lui là. Ouais, c'est ça. Ah, je te les repère avec les thermiques, hein. Là, tu les repères très loin. Oui, il est facile à 200 mètres là. Oh oui. J'en ferai un pilier moi. Oh oui. C'est un grand coup. C'est une longue queue, enfin, c'est assez fin. Il avance vers nous ou il repart sur la gauche? Oui, il repart sur la gauche. Je suis bon, tu fais le décompte. Mais franchement, je suis pas sûr. T'es prêt? Ouais. 1, 2. Oh, il a du mal. Il se remet bien. Non, blague. Allez, vas-y, vers la gauche. À droite, pardon. Ah, c'est pas comme mal, hein, pour tout repartir, tout ça. Hein. C'est surtout que 2 heures avant, quand je suis. Là, je suis plus que choqué. Je m'attendais pas à voir la mer là. Oui, c'est peut-être le vent qui l'a poussé, mais bon. 2h30 comme ça avant, je m'en ai croire. Hein. Faut pas être une flippette. Ah, non. Et quoi, il est 23h, 23h15? Ouais, 23h15 à peu près. Marée à minuit et demi, on est obligé de se sauver parce que forcément il y a la mer qui arrive. Et pourtant, on fait le 20h45. Et donc, voilà, on fait le chemin inverse de. Bon, on revient au point de départ, très clairement. On va attendre pendant quoi? 2h? Ouais, 2h30, 3h. 2h30, 3h. Et après, on va redescendre en pleine nuit, en pleine baie, pour se réinstaller. Tout refaire à neuf, forcément la flaque aura changé, donc faut un peu tout l'attelage, faut tout refaire un peu de zéro. Tu vois, c'est une belle chasse,
mais c'est trop le bordel. Oui. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle est moins en moins chassée. Après, tu vois, si on aurait comme à Boulogne, entre Boulogne et Dunkerque, ils ont droit au huitau flottant. Huitau flottant, ouais. Ouais, on aurait ici. Franchement, on tuerait au moment de la mer. Ouais. Mais on peut pas. C'est trop dangereux. On a trop peur, les huitaux ici se retournent, on en est mort. Ouais. Oh, c'est dur, hein. Très dur. Il fait froid, très fatigué. Très fatigué. On est reparti. On est reparti, on attaque. Acharné. C'est trop calme. Tout ça pour rien. Après, on en a vu. Bon, c'était du gibier méfiant. Ou bien du gibier qui était déjà ici. Peut-être une prochaine fois. Ça serait pas mal. Très bien. C'est quand même beau un siffleur. Hein. Ah, c'est le plus bel oiseau. Après le pilier, il n'y a pas mieux. Pas une vue terrible. Ah non. On n'a pas eu, mais celle-là. C'est un petit chat noir. Ah, dis pas ça. C'est un petit chat noir. On y va.